présent en conférence de presse, ce mercredi avant le match de Ligue Europa face à Galatasaray de ce jeudi, l'attaquant du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang a évoqué le cas de son coéquipier Ousmane Dembélé. Le buteur gabonais espère que l'ailier français, dont le contrat en Catalogne expire en juin, restera au Barça la saison prochaine. L'international tricolore de 24 ans, qui était proche de quitter le club en janvier, a disputé 19 matchs cette année avec les Blaugrana et a inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives. Je l'ai vu très bien s'entraîner depuis mon arrivée, avec beaucoup d'envie. Il se débrouille bien et fait beaucoup de passes décisives. Je le connais depuis de nombreuses années, la chose la plus importante est qu'il soit heureux et qu'il travaille dur. Nous avons un peu parlé avec Dembélé. La décision finale lui appartient, nous verrons ce qu'il fera. J'aimerais qu'il reste, je suis très heureux de jouer avec lui, nous verrons ce qui se passera, a déclaré Aubameyang. À l'issue de la victoire acquise sur le terrain de Galatasaray, ce jeudi sur le score de 2-1 huitième de finale retour de la Ligue Europa, le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri González ne nie pas le statut de son club. Nous verrons qui nous aurons au tirage au sort, mais pour moi, nous sommes les favoris. Nous jouons le genre de football que nous aimons, et nous en profitons. J'espère que nous aurons la chance de remporter le titre. Buteur après un superbe enchaînement de fins de frappe, l'international espagnol a voulu calmer le journaliste face à lui, comparant son but à l'une des nombreuses réalisations inscrites par Lionel Messi sous le maillot du Barça. Je pense à tirer, je feinte et je continue à feinter jusqu'à ce que je trouve un trou. Je ne me souviens pas de la pièce. Sur le terrain, les choses viennent à moi, j'ai la chance de ne pas avoir à réfléchir. Messi a marqué de bien meilleurs buts, et me comparer au but de Leo est fou.